Non, c'était bien à ce point? Oh ouais, des fois je me kiffe. Ah pardon, je me présente. Bonsoir, je suis Anne-Sophie Girard. Ruté. Alors, que vous dire sur moi? Je mesure 1m79. Merci. Je suis célibataire. Merci, ça va, c'est dur de rencontrer quelqu'un aujourd'hui. Non, mais quelqu'un de normal, j'entends. Hein? Parce qu'aujourd'hui, pour une célibataire, il reste quoi? Il reste les psychopathes et les ex, qui très souvent sont les mêmes. Hein? Et puis moi, je peux pas ressortir avec un ex, non. Ah non. Non, j'ai une copine qui dit que ressortir avec un ex, c'est un peu comme manger un truc qu'on aurait déjà vomi. Ça se fait pas. Non. Hein, les filles comprendront. Est-ce qu'il y a des filles ce soir dans la salle? Ah, j'adore. Où est-ce qu'il y en a? Eh, oh. Waouh, on a une collection, là, on a une brochette. On dirait Sex and the City. Eh, t'es laquelle dans la série, mademoiselle, là? T'es laquelle dans la série? Tu sais pas? Réponse typique de Miranda. Attends, ma meilleure amie Chloé, par exemple, elle est moitié Miranda, moitié Charlotte. Mais comme son ex, c'est un peu son Big, et que celui d'avant, c'est un peu son Aidan, ça fait qu'elle est très carrie quand même. Ok. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? Oui, on a 3 filles, 2 homosexuels. Donc je reprends pour les autres. Ma meilleure amie Chloé, elle est belle comme un cœur. Elle plaît beaucoup, vous voyez? Mais pas au bon. Non, 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 on dirait qu'elle a un radar. Un radar à trou du cul, j'appelle ça. Ah bah t'as un trou du cul dans la salle? Je sais qu'il est là. Où qu'il est. Il est pour elle. Ah, c'est un don, hein. Alors, ce radar s'avère très utile en soirée. Bah, c'est facile de reconnaître des filles en soirée. Ah bah si. On danse en cercle, en levant les bras, et on chante que la fin des chansons. C'est... Les sirènes du pain, Alexandrie, chante. Mélodie. Et, non, excuse-moi. Non, excuse-moi, je ne, j'ai pas fini ma chanson, là. OK? J'ai un solo, après. On se voit plus tard. Oh. Oh. Si, t'es à fond. Si, t'es tellement à fond qu'il y a toujours un moment dans la soirée où, poussé par le groupe, l'alcool, tout ça, tu te sens... de refaire le clip. Oui, sauf que la fille dans le clip, c'est une bombe. Alors que toi, bon ben, toi, t'as la frange grasse, t'as une mauvaise tache, là, et tu danses comme un hobbit. Mais dans ton monde, à toi, tu es Beyoncé. Et tu danses Beyoncé. Ça va, je fais ce que je veux, ok? Wouh! Oui, parce que dans mon monde, à moi, ils sont gros. Ok? Merci pour eux. Non, je fais ce que je veux. Je monte sur le podium si je veux. Oui, parce qu'une fille en soirée se sent toujours obligée de monter sur un truc. Mais c'est vrai. Et puis n'importe quoi. Tu sais, une chaise, le bar, un mec bourré. Pourtant, on sait tous comment ça se termine. Ah bah la chute, hein. Le drame. Ok, j'annonce. La cicatrice. Macumba 2002. Plaie désinfectée au gin tonic. Là, El Picho Pingo 2008. Je m'en souviens très bien, c'était pendant une macarena. Puis je me suis tordu la cheville en essayant de refaire le porté de Dirty Dancing. Parce qu'on laisse pas bébé seul dans un coin. No, 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 no. Oh,
En plus, j'ai une bêtise parce que c'est pratique d'être en hauteur, parce que tu as une vue d'ensemble. Tu peux repérer les beaux gosses. Des fois. Ça marche pas toujours, hein. Mais alors, quand on a un... Ok. Technique de fille. Allez, c'est à moi. Allez, je ris très fort, j'ai plein d'amis, je suis la reine du monde. Action. Et je bois un coup pour être plus détendue. Oui, pardon. Parce que mes copines et moi avons la fâcheuse tendance à confondre détendue et bourrée. Et c'est quand elle est bien détendue que le radar de Chloé se met en route. Et c'est là qu'elle nous ramène le pire. Celui qui a dragué toutes les filles de la soirée. Le shark. Alors comment expliquer un shark? Moi, j'aurais tendance à dire... un requin. Non, mais ça n'engage que moi. Mais... non, parce que... je dis elle, parce que moi, c'est encore complètement différent. Moi, je suis incapable de draguer un mec qui me plaît. Ah, incapable. Non, non. Non, je joue l'indifférence. La distance. C'est simple, je ne le regarde pas, je ne lui parle pas, et ça ne marche pas. Non, il faut arrêter, les filles, la carte mystère. Ça ne marche pas du tout. Ah non, on n'a jamais vu un mec que t'as pas regardé de la soirée venir te voir pour te dire... tiens, descends de ton podium, s'il te plaît. Dis donc, j'ai remarqué que tu ne m'avais pas remarqué. Et par conséquent, je suis follement attirée par toi. Ça n'existe pas. Non, les hommes préfèrent de loin les filles accessibles. Hein. Il va rentrer avec la petite blonde qui dansait comme une chagasse. Pendant que toi, tu faisais le robot. Vous avez kiffé le robot. Ok, j'ai refait le robot. C'est entre le robot et la marionnette de Mylène Farmer. Chaque, chaque, chaque. Ah, je vous sens friand du robot. Ok, je vais vous montrer deux, trois petits pas de danse très faciles à reproduire et que j'aime à appeler les figures imposées. Oui, je sais, plus personne ne fait ce geste depuis 92, mais moi j'aime bien. Alors, première figure, le coton-tige. I kind of feel of my life, I kind of feel of my life, I kind of feel of my life. Deuxième figure, le lancer de dés. Can I feel my life? Can I feel my life? Can I feel my life? Plus compliqué. Attention, je cherche mes clés. Can I feel my life? Can I feel my life? Can I feel my life? Et mon préféré. Mon préféré, l'arroseur automatique. Can't feel my life, can't feel my life, can't feel my life. Cadeau! Mesdames et messieurs, bonsoir! Alors, vous savez, c'est vrai que quand on me voit arriver comme ça, ça ne saute peut-être pas aux yeux, mais je suis d'origine... socialiste. Oui, je suis de gauche et je dois vous avouer qu'en ce moment, c'est vraiment une sale période pour être de gauche. Ah mais les repas du dimanche avec ma belle famille qui est de droite, mais je passe des moments... Je ferme ma gueule. Pendant une heure, je suis comme ça. Vous avez vu Gravity? Et il y a généralement toujours un moment où mon beau-père me regarde comme ça tout sourire et fait... Là, Frédéric, dis voir, j'ai vu ton président aux infos, là.
Je sais pas s'il croit en Dieu, mais une chose est sûre, Dieu croit pas en lui, hein. Et c'est vrai, sincèrement, il y a sûrement d'autres personnes qui vivent la même chose que moi dans cette salle. Comment voulez-vous que je le défende? Maintenant, on le voit niquer en scooter. Il va niquer avec son casque. Avec son casque, comme ça. Alors, je sais bien que quand t'as une liaison, faut sortir couvert, mais pas avec un casque. Valérie Trierweiler, une semaine d'hospitalisation parce qu'elle était cocu. Mais moi, ma mère qui a vécu avec mon père qui était antillais. Mais si elle avait dû aller à l'hôpital à chaque fois qu'elle était cocu, mais franchement, elle aurait explosé le trou de la sécu. Non, parce que mon père adorait les femmes. Il adorait toutes les femmes. Et il aurait pu se taper une prise de courant tant que c'était une fiche femelle. Oh. Non, parce qu'en fait, mon père est guadeloupéen et ma mère est lorraine. Alors quand on connaît, c'est deux mentalités qui n'ont strictement rien à voir. Vous voyez, en Lorraine, on est beaucoup plus du genre à dire « Rien ne sert de courir, mieux vaut partir à point !» Tandis qu'en Guadeloupe, on est beaucoup plus... Ouh. Rien ne sert de courir, hein. Pouah. Donc forcément... Mais en parlant des Antilles, là, c'est vrai qu'il y a une personnalité dans ce gouvernement, hein, que dans les dom-toms, hein, comme on les appelait anciennement, on adore. Il y a une personnalité du gouvernement de François Hollande qu'on adore. C'est évidemment la seule, l'unique Christiane Taubira à la justice. Une Guyanaise à la justice, il y a des choses qui vont changer. Hein. Cette femme, mais qui s'en prend plein la gueule. Des gamins de 12 ans qui lui disent « Tiens, ta banane, tiens, ta banane !» Tu sais, les enfants de ceux qui manifestent contre le mariage gay. Ils veulent empêcher les homosexuels d'avoir des enfants, mais quand tu vois ce qu'ils font des leurs... Oh. Comme s'ils s'imaginaient vraiment que ce genre d'insulte, ça allait arrêter Christiane. Mais moi, ça fait des années que je milite pour qu'on mette des femmes, des dom-toms, dans tous les milieux soumis au stress. Alors, vous allez me dire, elle vient de la Guyane, c'est pas les temps. C'est le même état d'esprit. Ma tante est comme ça, ma grand-mère était comme ça. Ce sont des femmes, vous pouvez leur dire ce que vous voulez. Elles en ont rien à battre. Faites le test. Allez à la poste ou au supermarché aux heures de pointe. Une queue de 15 km de long, avec des clients excédés. Une antillaise à la caisse, elle les aime. Chantal? Chantal? Prends ta pause. Prends ta pause. Si tu vois pas ta pause, Monique ne va pas prendre sa pause et moi je ne vais pas prendre ma pause. C'est l'effet boule de neige. Eh bien, prends ta pause. Quoi, le monsieur l'attend, mais il va attendre, hein? Quoi? Pourquoi mettre? Il faut faire ce pas bolé, hein? Vous êtes blessé? Ah, mais faut pas faire ses courses quand on est blessé, hein? Il faut pas faire ses courses quand on est pressé et quand on a faim, c'est les deux règles. C'est fini l'esclavage, hein. Nous avons fini de couper les chines. Négritude, négritude, j'écris ton nom, disait Aimé Césaire. Vous n'avez pas pesé vos tomates. Vous êtes pesé, mais vous ne pesez pas vos tomates. Chantal, il est pesé, mais il ne pèse pas ses tomates. La machine ici ne marche plus. Eh ben alors, il faut retourner peser ses tomates, monsieur. Allez-y, je ne veux pas le faire pour vous. Hein.
Oui, bah dépêchez-vous, monsieur, vous ralentissez tout le monde. Regardez comment les gens vous regardent méchamment. Dites pardon. À tout le monde. Baissez les yeux. Coupez les chines. Je suis sûr que votre maman ne vous a pas élevé comme ça, hein? Ben ouais, je m'énerve, mais c'est vous aussi, vous me faites sortir de ma modération. Oui, monsieur, j'accepte vos excuses. Oui. Chantal! Pois ta pauvre! Non seulement ils sont tout petits, mais en plus ils tombent. Arrêtez de vous marrer. Oh, je me prépare pour le mariage de ma super copine ce soir. C'est vachement important, les seins dans un mariage. L'autre elle dit, faut mettre des chaussettes. Ouais, ce soir, faut que tout soit parfait. Parce que si je me fais pas tringler, je sens que je vais grave déprimer, quoi. Oh, le choc, le choc, le choc, le choc, le choc. Quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Eh mais attends, t'as tout changé la déco dans ta salle de bain, quoi. Ah ouais, ouais, bah tu vois, je me suis dit, bon allez, Cléo se marie ce soir, on n'est plus des gamines. Alors j'ai enlevé tous les posters de Patrick Swayze. T'as bien fait. Maintenant, je suis amoureuse de Robert Pattinson. Ouais, du coup, j'ai tout changé ma déco. J'ai même mis une tête de vampire sur ma chasse d'eau. Maintenant, c'est plus des toilettes, c'est des Twilight. Et en fait, je t'ai pas dit. Ça y est, ma sœur, elle a accouché, quoi. Pas trop fort, elle a accouché quand? En mai, elle a accouché d'un petit taureau. Ça va faire vachement mal, non? Non, c'est un bébé, il a pas ses cornes encore. N'empêche, pour moi, le coup de vieux, ça veut dire que maintenant, je suis une tante. Oh, la vioque, la vioque, la vioque, la vioque. Attends, ça va, calme-toi, calme-toi, regarde-moi. Quoi, comment elle est trop belle, ta robe. Ouais, t'as vu, en plus, regarde. Elle tourne trop bien. Grave. Bon, allez, allez, on finit de se préparer, là. Faut pas être en retard au mariage. En fait, ce soir... En fait, c'est Cléo qui se marie. Cléo, c'est la première de notre groupe de cops qui va se marier. Ça va être trop bien. Je suis excité comme une pute. Ouais. En même temps, c'est la première, mais c'est normal, hein. Cléo, elle a toujours eu une longueur d'avance sur nous toutes. Toujours. Genre, elle a toujours ses règles 3 jours avant moi, mais je sais pas comment elle fait, quoi. Et comment on s'est trop éclaté à son enterrement de vie de jeune fille. J'en ris encore. Il y avait toutes les cops de notre classe de 5e B. Toutes. Il y avait Léo, Lio, Cléo, Cléa, Chloé, Zoé, Béa, Noah et Moa. Ouais, que entre filles, pas de mecs. Non, les mecs, ils étaient de leur côté à l'enterrement de vie de garçon. Tous entre eux aussi. Il y avait Momo, Nico, Néo, Pablo, Pedro, Thibaut, Théo et Jean-François. Alors, eux, ils ont fait des trucs débiles du genre aller se bourrer la gueule dans une boîte de striptease. Alors que nous, on s'est saoulés à la maison. Et le stripteaseur, on l'a fait venir. De toute façon, nous les filles, on a vachement plus de maturité que les mecs, hein, c'est connu, hein. Je suis sûr, ils ont parlé de cul, mais toute la soirée, quoi. Ouais, alors que nous, on a parlé d'amour par derrière.
N'empêche, on s'est grave marré, hein. Sont trop fun, nos caps. Ouais. En fait, depuis la 5e B, on a toutes des surnoms trop délire. Genre moi, Noah, c'est Noah de Cajot. Et Léa, c'est Léa Poudre. C'est parce que je prends de la coke. LOL. LOL, ça veut dire MDR en anglais. 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 LOL. Non mais ça va là, je crois qu'ils ont compris quoi. De quoi? Eh ben, tu répètes tout le temps la même chose. Pas du tout. Attends, mais ça veut dire que moi, j'entends tout en double. Mais c'est ta faute aussi, tu fais chier. Maintenant, je louche tes oreilles. Ça va, excuse-moi. Non, 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 attends, je veux trop pas qu'on s'engueule. Hein. Eh, hey, tu sais, je te l'ai jamais dit, mais t'es la meilleure amie que j'ai jamais eue ce mois-ci. C'est vrai? Ouais. Puis on va pas s'engueuler le jour au mariage à Cléo? Non. Alors, on check. On check. Ping-pong, ding-dong, qui est là? C'est moi, ça va, et toi, ça va trop bien. T'as tes tongs du Mekong, ping-pong, ding-dong. Ah, je suis désolé, mais je crois que c'est le mariage à Cléo, ça me fout le cafard à zéro. Hein. Ouais, de toute façon, en ce moment, ça va pas. C'est pas à moi que ça arriverait, je crois, les mecs, je leur fais peur. Mais non, va, t'es vachement mignonne. Non, même vous, vous me regardez plus. Attends, la semaine dernière, j'ai fait une tentative de suicide, j'ai tranché mes poignets, et ben, vous avez rien vu. Oh, fais voir les cicatrices. On les voit pas bien. C'était les poignées de porte de placard de ma chambre. Ça fait super mal quand même. Tu t'es emmené à l'hôpital? Non, chez Ikea. Bon, regarde-moi, toi. Hein. Regarde-moi autrement, s'il te plaît. C'est mieux. Je vais plus jamais t'entendre penser au suicide. Si t'étais morte, eh ben, j'aurais trop de peine. De toute façon, je vais te dire un bon truc, ma cocotte, hein. Moi, en ce moment... Attends, mais j'en ai grave marre de courir après mon destin, là, comme un cheval sauvage. Bon, allez, je suis prête. Ouais, moi aussi. On y va? Ouais. T'es trop belle. Je sais. Ah putain, on a oublié de s'épiler. Ah, c'est pour ça, depuis tout à l'heure, j'ai le tulle qui gratte. Oh. Bon, allez, allez, vite fait, vite fait. Eh ben si, on est bien obligé. Tu galères grave ou quoi, là? Non, j'y vais lentement pour qu'elle voit bien que c'est pas du fake. Qu'elle voit bien à quel point on est con pour faire marrer, gars. Eh ben moi, c'est le moment que je préfère. Ah, ça vous excite, ça, les connasses, hein? Métier, mais il est dément, quoi. Tu traites les gens de connasses, ils applaudissent, quoi. Ouais. Allez, je fais toi, tu fais moi. Ouais, on fait nous. Bon, hey, vous comptez avec nous, d'accord? Allez, on compte ensemble à 3, 5, now! Ah non, on vous a pas dit, mais nous, comme avec les cops, on est un petit peu fofolle. On compte pas à l'endroit. On compte pas à l'endroit. Si je vais trop vite, faut le dire.
C'est pas grave, suivez-nous. Allez. 5, 4, 3. Même pas mal. Eh mais comment, elle est trop bien ta nouvelle sœur. Ça faisait longtemps. Non mais elle est géniale. Attends, t'as vu la différence par rapport à celle que j'utilise d'habitude? Eh mais tu la sors d'où? Eh ben figure-toi, c'est Cléo qui me l'a donnée. Ah ouais. Elle m'a dit au bout de 20, on voit le tibia. Je la crois. Eh, tu te souviens, c'était à Rome qu'on avait trouvé son surnom. C'est quand elle est rentrée sous la coupole de la chapelle Sistine. Ouais, c'est parce que quand elle est rentrée, elle a fait « Ah, waouh, Cléo, le plafond hein. !» Là... Eh, hey, tu te rappelles les cours de danse avec Cléo? Putain, c'est chiant, les cheveux longs. Eh, hey, réponse. Ah, ouais. Tu m'en donnes une de réponse, connasse. Est-ce que tu... Trop stylé, quoi. Mais grave. Qu'est-ce que je disais comme connerie, moi? Ouais. Hey, tu te rappelles les cours de danse avec Léo? Oh, mais grave. Quoi? Oui, on faisait de la danse avec Cléo, oui, parfaitement, oui. C'est qui le bolos qui croyait pas qu'on faisait de la danse avec Cléo? Lui, le photographe chauve, là, il croyait pas. Ah, t'es un malin, toi, t'as shooté le photographe. Bien sûr, il aura des gros plans comme ça, c'est super. Dis donc, toi. Bon, ça se voit peut-être pas aujourd'hui, mais on était vachement bonnes. Regarde, il y a une photo à faire. Ouais, on était grave bonnes. Bon, il a pris des photos pour se masturber, mais il ne croit pas. Là, on lui montre. Trois, quatre, la pointe, cinquième, saut, tcha. Alors, en buzz, double buzz, tu sors. Et même que ce soir, pour le mariage à Cléo, comme on est témoin, on va refaire la chorégraphie qu'on avait fait en 5e B pour le spectacle de fin d'année. Tu crois qu'on s'en rappelle pas? Non mais tu nous cherches quoi? Tiens, viens, on lui montre. Tu vas t'en prendre plein ta gueule. C'est étrange.
dans les pays qui subissent guerre ou famine, l'on constate que les psys perdent leur clientèle. Ce qui veut donc dire que quand ça va mal, eh bien, les gens vont mieux. Mais alors, qu'est-ce que la dépression? Eh bien, la dépression, c'est avoir une mauvaise image de soi. Et ce qui m'étonne, eh bien, c'est qu'il n'y ait pas plus de personnes déprimées. Oh, c'est pour ne pas sombrer dans la dépression, si je puis me permettre de vous donner un petit conseil. Soyez positif. Et si vous avez des amis déprimés, évitez-les. Ah, faites-leur comprendre qu'ils peuvent toujours compter sur vous, mais seulement quand ils vont bien. Alors, la première cause de dépression, c'est la solitude. Et c'est terrible, la solitude, comme la détresse des personnes seules pour les fêtes de Noël. Ce que des spécialistes appellent dans leur jargon « déprime de fin d'année ». Et là, je me permets un petit apartheid. Alors, début d'apartheid. Pour les personnes seules, les boulangers, pâtissiers, français font beaucoup. Cette année encore, pour l'épiphanie, ils ont eu la bonne idée de fabriquer des galettes des rois individuelles. Avec le package, la part de galette, la fève. Il y a des personnes seules. Et une notice d'utilisation. Si vous mangez tout, vous gagnez à tous les coups. Mandela. Ouais. Je dis Mandela, ça veut dire fin d'apartheid. Alors. La solitude cause de dépression, mais le mariage aussi. Car aujourd'hui, c'est dans les faits. Le mariage, c'est beaucoup plus près du CDD que du CDI. Dans l'esprit, c'est pour la vie, donc ça peut virer à la déprime en cas de mauvaise pioche. Et la rupture, c'est le cas d'un voisin pour qui tout allait bien. Il envisageait même d'acheter un 4x4 quand il a appris un matin que sa femme le quittait pour partir avec son patron à lui. Qui le licenciait. Et en plus, ce matin-là, il pleuvait. Et l'alcool, on le sait, les alcools forts peuvent provoquer de fortes dépressions. Mais il faut également se méfier de la bière et de ses demi-dépressions. Et le deuil, avec ses sautes d'humeur surprenantes. Par exemple, une phase d'effondrement que l'on peut aisément comprendre lors de l'annonce de la perte de l'être cher, suivie parfois, curieusement, d'une phase d'euphorie lors de l'annonce du montant de l'héritage de l'être cher. Hein, c'est un comportement cyclotouriste. Et l'on peut être aussi déprimé, alors sans raison valable. Hein, c'est ce que des experts internationaux français appellent dans leur jargon des dépressions pathologiques. Heureusement, la dépression se soigne. Alors, il y a tout d'abord la psychanalyse aussi. Je vais me permettre, si vous le permettez, de vous imiter Sigmund Freud. Donc, je me retourne et je me grime. Voilà. Voilà. Sigmund Freud, jeune. Sur le divan, c'est le patient qui parle sans que le psychose.
Je vous remercie de votre indulgence, car ce n'était pas très bien imité. Hein. Mais ce n'est pas évident, car c'est traduit de l'allemand. Il y a également les antidépresseurs, mais ça ne marche pas à tous les coups. J'ai une amie, seule, déprimée et parano. Ouais, on l'appelle le cocktail. Et elle me disait, les antidépresseurs, c'est curieux, ça ne me fait rien. Mais c'est bizarre qu'elle me disait, quand j'en prends, eh bien, mes antidépresseurs agissent sur les autres. Qui pourtant n'ont rien pris. Ils me veulent moins de mal. Enfin, personnellement, quand j'ai des problèmes, je ne prends rien, je ne vais pas voir de psy, je me débrouille tout seul, je suis bio. Je fais mon autopsie. Alors, qu'est-ce qu'une autopsie? Eh bien, c'est tout simplement une petite analyse à froid. Aussi, pour bien préparer votre autopsie, si je puis me permettre de vous donner un petit conseil, détendez-vous. Respirez par le ventre. L'on constate en effet qu'une respiration ventrale est toujours préférable à une respiration dorsale. Inspirez et surtout, juste avant d'entamer votre autopsie, n'oubliez surtout pas d'expirer. Mais quoi qu'il en soit, dans ce monde de fous, la psychiatrie est un secteur d'avenir et la France doit redevenir une terre d'asile. Tout ça à cause des femmes. Tu n'as pas de femme, tu es dans la merde. Tu as une femme, tu es dans la merde. Mais bon, quoi? Moi, je me suis marié 4 fois. Je me suis marié 4 fois. Une jeune, 70 ans. On dit de... Ben bon, quoi? On dit de donner à ceux qui en ont besoin, elle avait besoin. Alors, je me suis marié, je suis allé à la mairie. Le maire dit, oh, ça, c'est pas une question d'amour. J'ai dit, c'est une question de papier, vas-y, donne les papiers, ça va. Elle me dit, mais pour te marier, il faut 2 témoins. J'ai dit, écoute, tiens, je sors, je vois les mecs qui font les arrosages, là, le jardin. J'ai dit, venez, 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 venez. Il dit, faut l'alliance. J'ai dit, un joint de vidange, j'avais un dans la fauche. J'ai mis direct, c'était plié. Après, je me suis marié à une arabe. Le mariage arabe, ils m'ont plumé. On dirait, t'achètes un pavillon. Plus les arabes bouffent ton argent, plus se foutent ta gueule. C'est un moment, ils se mettent en rang. Salam, simlé. Le carluche a beaucoup d'argent. On va le carotter. Plus prière, plus il fait mon argent. À un moment, ils m'ont porté, ils m'ont mis sur une chaise. Ils m'ont commencé à me secouer comme ça, tout ce qui est tombé de ma poche, ils ont tout ramassé. Sorti de là, j'ai dit, je prends une femme noire, mariage noir. Tu invites 30 personnes, ils viennent avec tout le village. Le traiteur m'a demandé, vous êtes combien le jour du mariage? J'ai dit, 20 personnes. Il dit, tu es sûr? J'ai dit, oui. Les mecs sont arrivés, il y a des gens, tu voyais leur tête, ça faisait au moins 30 ans, ils n'avaient pas mangé. Ils viennent à ton mariage, ils te disent pas bonjour, ils n'amènent pas de cadeaux. Ils sont mieux habillés que toi, ils dansent plus que toi, ils mangent plus que toi, ils boivent plus que toi et en partant, ils partent avec une nana. Bénéfice. Après, je dis non, je vais prendre une Pakistanaise. Mon cousin s'est marié à une Pakistanaise samedi. Lundi, il allait au bureau, dans le métro. Le petit frère de sa femme vendait les photos de mariage en poster. Il s'est reconnu, il dit ça c'est moi, ça dit non, Tupac. Il dit oh, Tupac. On était obligé de le défoncer. Donc les mariages, ça me connaît, les femmes, ça me connaît. Une femme. La bouche, surtout les femmes d'aujourd'hui, c'est leur bouche qui vont nous tuer. Elles parlent trop. Elles nous parlent. Ni, 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 ni. Elles te saoulent. Tu regardes un match de foot, ça dure 90 minutes. Ta femme te pourrit la vie pendant 100 ans avec cette histoire. Tu regardes ton match, elle passe 15 fois devant toi. 15 fois. Elle rentre dans la cuisine. Tu crois qu'elle prépare? Elle prépare pas. Les femmes d'aujourd'hui, elles ne savent pas préparer. Elles mettent l'eau au feu, elles crament l'eau. Nos mamans, avec toi les autres sont d'accord, nos mamans savaient préparer. Nos mamans, quand le papa disait j'ai faim, on dit regarde dans le frigo, il y avait des restes. Aujourd'hui, demande à ta femme j'ai faim. Regarde sur le frigo, il y a quoi? Pizza Hut, 0800, appelle. Alors, tu regardes ton match de foot, tu es assis, tu es énervé. Tu as fait un loto-foot. Tu es perdant.
Ton équipe s'appelle PSG, tu es doublement perdant. Elle va passer 15 fois devant toi. Elle laisse tomber les casseroles. Elle sort, elle rentre. Par contre, si c'est elle qui regarde son film, les films bizarres où elle s'occupe de la vie des autres, les films à titre Feu de l'amour, La femme d'à côté, Les voisins d'en face, elle t'oblige à aller dans la chambre comme un gamin. Va dans la chambre, tu payes ton loyer, tu payes les impôts de la maison. Tu es dans la chambre, si par malheur tu es ténu dans ta propre bouche, elle dit « Ta gueule !» Les femmes, je ne vous comprends pas. Pourquoi vous parlez? Il y a des hommes mariés ce soir. Non, le monsieur n'arrive pas à parler. Il y a des hommes mariés dans la salle ce soir. Il y a des femmes mariées aussi. Hey, pourquoi les femmes, vous nous parlez, au fait? Pourquoi vous parlez à vos hommes? Où c'est marqué que la femme doit parler à son mari? C'est marqué où? Vous parlez trop! Quand elle parle pas, elle pleure. Ni, 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 on comprend pas. Arrêtez de nous parler, faites des dessins, on va comprendre. Moi, ma femme me parle tellement. Le soir, quand on dort, je fais des rêves exprès pour la oublier. Malgré ça, elle rentre dans mon rêve pour me parler dans mon rêve. C'est mon rêve quand même. Avant, elle me parlait tellement dans mon rêve, je me suis levé, j'ai mis coup de coude. Samedi dernier, je gagne au loto. 1 million au loto dans mon rêve, du jamais vu. J'avais les 17 numéros plus les deux complémentaires. Je viens, si on veut me donner le chèque, je tends la main comme ça. Au moment où je vais prendre le chèque, elle vient. Bébé, bébé, il est l'heure. Elle me réveille. Plus le chèque, je vois sa gueule. Oh, je l'ai allumé. Elle a porté plainte. Le policier dit, mais pourquoi vous avez frappé votre femme? Je dis, mais pourquoi me faire perdre 1 million dans mon rêve? Hein? Tu rentres chez toi à la maison, tu es traumatisé. Elle pose tellement de questions, quelquefois j'ai envie que la police m'arrête pour répondre aux questions du policier que de répondre aux questions de ma femme. Toujours les mêmes questions, hein? Elles aiment ça. Tu étais où? Ben si je suis pas à la maison, je suis au dehors, non? Hein? Tu as vu l'heure? Elles mentent, hein? Elles n'ont pas de montre. Tu as vu l'heure? Non, j'ai vu ta peau. Tu n'as pas de montre. Tu rentres chez toi à la maison, drink cambrioleur. Tu es comme ça. Parce que les femmes croient que chaque fois que le mari est au dehors, il fait des bêtises. Quand on est au dehors, on ne fait pas de bêtises. Si on rentre tard, c'est parce qu'on a raté le bus de nuit ou... Voilà, c'est tout. On ne fait pas de bêtises. Ah non, les hommes, vous faites des bêtises au dehors? Non. Ben alors. Mais non, même si on fait des bêtises, hein, admettons on fait des bêtises, c'est la faute à qui? C'est aux femmes. C'est toujours les femmes qui provoquent. Je m'en fous, je vais sortir par derrière, moi. C'est pas vous qui provoquez. Pourquoi le string, ça doit rester dans le pantalon? Aujourd'hui, le string d'accord est jusqu'ici. La situation est tendue quand tu vois une fille s'asseoir. Avant-hier, je prends le train. Je monte, il y a une nana qui monte, son string est là. Hein? Tous les hommes sont sortis des autres wagons, montés avec nous dans le même wagon. À un moment, je vois même le conducteur entier, il est monté avec nous. Il y a une qui va conduire le train, dit pilotage automatique. Quand on rentre chez nous, vous avez vu comment tu rentres le soir chez toi? Tu es comme ça. Tu n'oses pas allumer la lumière, tu crois qu'elle dort, tu es comme ça. Ta tête cogne le mur, tu fais... Tu cries. Mais elles ne dorment pas, nos femmes. Quand on n'est pas là, elles ne dorment pas. Dès qu'elle entend, plac, elle se lève. Qu'est-ce qu'elle regarde en premier? Le réveil. Parce que le lendemain, tu vas passer aux assises. Alors toi, comme un con, tu continues comme ça. Tu rentres dans le lit habillé, tu la touches même pas. Tu tires la couverture jusque là. Dès que tu arrives là, elles font... Oh, le lendemain, tu es mort. Le lendemain, tu es mort. Moi, quand c'est comme ça, je la réveille. Je dis, frappe-moi maintenant, frappe-moi maintenant, frappe-moi. Même point oui, point non, les femmes divorcent aujourd'hui. Point oui, point non, ma femme a failli divorcer pour du ketchup. Ketchup, oui madame. Je suis allé au KFC, j'ai mangé un KFC. J'ai pas bien essuyé ma bouche. J'arrive, ma femme, je l'appelle scanner, elle voit tout. Dès que je rentre à la maison, c'est quoi ça? C'est quoi ce rouge à lèvres? C'est quoi ce rouge à lèvres? Qui t'a embrassé? Qui t'a embrassé? Viens là, viens là, viens là. En plus, c'est des menteuses. C'est la voisine, je vais la tuer. Je vais la tuer. Je vais la tuer. Viens là, viens là. Je t'ai pris en flagrant délit. Viens ici. Toi, tu me trompes. C'est quoi ce rouge à lèvres? Elle me remue comme ça. Viens là, viens là. Dis-moi tout, dis-moi tout, dis-moi tout. Qui t'a embrassé? Qui t'a embrassé? Et toi, l'homme, quand tu veux parler, tu dis parle pas, parle pas, parle pas. Aggrave pas ton cas. Parle pas, parle pas, parle pas. Mais tu poses des questions, tu dis parle pas. Parle pas, qui t'a embrassé? J'arrive doucement comme ça, elle me met une claque. Pas. Je dis, mais non, c'est du ketchup. Alors, tu pouvais pas me dire plus tôt, tu m'as fait peur. Pas, deuxième. Quelquefois à la maison, elle me frappe. Hein. Le voisin vient sonner, frappe doucement votre femme. C'est elle qui me frappe. À cause de ça, maintenant, j'ai pris une maîtresse. Comme ça, je suis tranquille. Ah oui, j'ai pris une maîtresse, quoi? Ou quoi?
Ouais, mais quand tu prends une maîtresse aussi, tu es dans la merde. Parce que la maîtresse, elle sait pas se tenir tranquille. Hein? La maîtresse, elle veut toujours prendre la place de la titulaire. Avant-hier, bon. Tu... Ben oui, quand elle arrive chez toi, la maîtresse, toujours, à peine arrivée, ils sont où les toilettes? Elle rentre aux toilettes, tu crois qu'elle va faire quoi? Hein? Elle va laisser des empreintes. Elle enlève les cheveux, elle met partout. À cause de ça, moi, ma maîtresse, elle est chaude. Comme ça, on est tranquille. À peine elle arrive, je mets sa poubelle autour d'elle. Tout tombe dedans, je ramasse, je vais jeter. Voilà. Avant-hier, bon, je viens de me marier, c'est tout à fait normal pour un homme. Je viens de me marier, j'ai tout fait. Je l'ai envoyé au McDo, au KFC. En tout cas, j'ai tout payé. Le week-end arrive, je dis, écoute, va chez tes parents. Va faire un tour. Pendant ce temps, j'ai eu le cafard. Donc, j'ai invité ma maîtresse, tu vois. J'invite ma maîtresse, elle vient, elle s'installe. Elle laisse sa photo à côté du lit. Son séjour est fini. Rentre avec ta photo. Comme par hasard, elle a oublié la photo. Scanner arrive, j'étais dans la chambre. À peine rentré, elle voit la photo. C'est qui ça? J'étais en panique. J'ai commencé à pleurer. Tu sais, ma cousine qui est décédée il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est date anniversaire de sa mort. J'ai sorti la photo, j'étais en train de faire les prières. Jésus-Marie, Jésus-Marie. J'étais obligé de tuer une cousine pour sauver mon couple. Heureusement, j'en ai 38. Non, c'est pas bon. Tu es là, tu es. C'est tout en elle, tout en elle, tout en elle. On vous aime bien, mais bon, un moment, ça suffit quand même. Quand je vanne les femmes, les hommes sont contents dans la salle. Il dit, vas-y, charge-les. Je m'en fous, je me jette à l'eau. Ça fait 6 mois, je dors sur la béquille. Je suis en quitte main libre. Moi, j'adore l'humour d'observation. Sincèrement, j'adore ça. Encore plus depuis que je suis à Paris, parce qu'il y a énormément de choses à observer. Et notamment dans les supermarchés, vous savez, j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de gens qui achetaient des produits premier prix. Vous connaissez, c'est les produits qu'il y a tout en bas des rayons. Et là, franchement, si on analyse bien, c'est quand même des salauds, les patrons de supermarchés. Hein. Non, parce que t'es pauvre, mais en plus, pour manger, bah, faut que tu te pètes le dos, tu sais. Ah, vache, je suis vraiment une vie de merde. Vous savez ce que t'as les riches, ils sont là. Oh là là, on est riches. Oh, on prend n'importe quoi, on s'en fout. Tiens. Et la dernière fois que j'ai fait mes courses, j'ai remarqué autre chose. Je suis passé devant le rayon poissonnerie. Et vous savez, là-bas, il y a toujours l'aquarium avec les crustacés. Et la dernière fois que je suis passé devant, eh ben, il restait plus qu'un crabe dans l'aquarium. Eh ben, faut voir la gueule du crabe quand il est tout seul là-dedans. Ouah, ça pue, là. Putain, on était 28 ce matin, là. Où est-ce qu'ils sont sortis fumer une clope, quoi? Et attendez, le pire, c'est que le mec qui a conçu les rayons, c'est un taré, hein. Parce qu'il a mis l'aquarium en face de l'étalage des poissons morts. Ouais, c'est-à-dire que le crabe, il est là, déjà. Et il voit ses anciens potes. C'est horrible, c'est, il fait Gigi. Gigi, ça va? Gigi, le poulpe sur la glace, tu sais. Oh, les salauds, ils jouent Gigi. Oh, je vais me barrer. Je peux pas finir encore ailleurs. Bon, je vais quand même laisser un mot avant de partir. Tiens, allez, Omar m'a tué, voilà. Oui, bon, faut lire la presse pour celle-là. Merci. Ceux du Minitel, pareil, pff, comprends rien. Et après le rayon poissonnerie, qu'est-ce que je fais? Bah moi, je vais à la caisse du supermarché, et là-bas, il se passe très souvent un truc, c'est un fléau, vraiment. T'arrives à la caisse, il y a déjà quelqu'un devant toi, et la personne devant a déjà mis tous ses articles sur le tapis. Donc là, bon, toi, tu vois, t'es derrière, t'attends, et là, hop! Et là, tu vois un petit bout de tapis, un tout petit espace. Donc là, tu te dis, tiens, je vais commencer à décharger mon panier. Mais tu verras que dès que tu prends le premier article et que tu effleures le tapis, là, le mec devant toi, il se retourne. Tu sais, il a compris ce que t'allais faire. Donc, du coup, le gars, il est vif, il se saisit du panneau client suivant, il le prend et il le pose violemment sur le tapis, comme ça. Là, là le mec, il s'en fout. Hein. Tu peux avoir mis une courgette, tu sais, tu la coupes en deux. Et souvent, après, le mec, il te jette un regard, l'air de dire, hé, on me baisse pas la gueule, moi.
Tu sais, toi, t'es là, t'es cool, toi, de dire, oh mec, calme-toi, bois un tropico. Parce que, hey, honnêtement, ça, c'est un truc de dingue, ça. Est-ce que vous avez déjà vu, dans toute l'histoire du supermarché, hein, juste parce qu'un mec avait pas mis le panneau, tu l'as déjà vu payer pour toute une file? Tu vas vraiment un jour une caissière te faire « Voilà, monsieur, ça vous fait 937,32 €. » Ah ! Attendez, oh, j'ai pris qu'une demi-courgette et deux steaks hachés. Oh non ! Oh non, j'ai payé pour toute la file ! Tu vois un mec dans la file, « Comment t'as eu, mon pote ? Bien joué, tout le monde ! Tiens, la caissière, pousse-toi, passe-moi le micro. Les mecs, il y a un bureau, la caisse 3. Ramenez-vous, c'est génial, il paye pour tout le monde. » Et il y a un autre magasin où ma copine avait l'habitude de m'emmener, c'était chez Nature et Découverte. Alors vous savez, c'est le magasin très tendance en ce moment, les gens adorent y aller, centre près de la nature, c'est un peu écolo. Mais chez Nature et Découverte, sincèrement, ils vendent vraiment n'importe quoi. Il y a un truc, genre, vous savez, c'est les CD d'ambiance, ils vendent ça à 20 €, t'as genre, t'as une heure de vent. T'écoutes une heure de... Il y a une heure de pluie aussi. Alors, celui-là en Bretagne, il fait un bide. Hein. Ah, il est même pas téléchargé. Il y a un produit qui met une ambiance un petit peu pourrie dans le magasin. Tu sais, c'est la grenouille. À chaque fois que tu passes devant, ça fait Et ça vaut 20 €, ils sont obligés de le vendre comme le produit comique du magasin. Sur la boîte, c'est marqué « Démarrer la journée avec le plein d'humour ». Et moi, à chaque fois que je suis là-bas, je regarde ce truc et je me dis « Attends. Est-ce qu'il y a un mec qui achète ça et ça le fait marrer pendant 8 ans ?» Mec, tous les matins, il part au boulot. Bon, les enfants, papa va au travail. Hein. Oh putain, ça valait le coup! Et le produit phare du magasin, c'est le jardin zen. Alors, le jardin zen, c'est pas un jardin. C'est un bac avec du sable, 3 galets, et t'as 1 mini râteau. Et quand tu fais ça, t'es zen. Ça vaut 30 €. Va offrir ça un anniversaire. Joyeux anniversaire, Rodolphe. Oh bah. Merci les mecs. Hein. Hey, tu te sens mieux, non? Attends. J'ai totalement oublié ma rupture avec Isabelle. Hein. Je lui ai dit au vendeur, c'est n'importe quoi. Il m'a dit, non, mais je vous jure, c'est le fait de faire ce mouvement, ça détend énormément. Personnellement, j'ai jamais vu un mec dans un parc, tu sais, ceux qui galèrent avec les feuilles. Oh là là, c'est exactement ce que je voulais faire quand j'étais petit, là. En plus, t'as souvent un gosse qui arrive, c'est... J'ai pété ton tas. Oh, petit chenapan. Mais ça, c'était avant. Hein. Ma copine m'a emmené avant chez Nature Découverte, parce que... Non, en fait, elle m'a largué. Elle m'a largué, ouais. Elle m'a sorti un râteau assez horrible. Alors, je sais pas si vous l'avez déjà pris, hein, ou alors un peu de patience. Elle est venue me voir, elle m'a dit « Écoute, Baptiste, je pense qu'il faut qu'on arrête là. Parce que franchement, honnêtement, tu mérites mieux. Wow » Waouh. Alors, quand elle m'a sorti ça, j'ai un petit peu pété un plomb. Je lui ai dit « Quoi? Je mérite mieux ?» Je mérite mieux? Mais non! Non, je mérite pas mieux, non? Je suis qu'une merde, moi. Je mérite que toi. Bonsoir! Toi, ça va? Toi, ça va? Toi, t'es là! Alors! Non, je suis très content d'être là avec vous ce soir parce que, d'autant plus que ça n'a pas été facile pour moi d'arriver jusqu'ici. Parce que, entre-temps, en fait, j'ai failli mourir sous les coups de mon père. Mais ceci dit, je le comprends, mon père, je le comprends parce que toute ma jeunesse, toute mon enfance, je lui ai donné beaucoup de fil à retordre. Énormément de fil à retordre. Beaucoup, beaucoup de fil à retordre. Le fil de la télé, bam. Le fil du micro-ondes, bam. Le fil de l'aspirateur, bam. Et comment il est long, le fil de l'aspirateur, ça. Moi, il m'a tellement tapé avec que quand il appuyait sur le bouton, c'est moi qui re-rentrais dans l'aspirateur, tu vois. À la maison, on était 4 frères et sœurs et c'était moi le plus turbulent. Et le premier point de discorde avec mon papa...
l'école. Hein? T'as frétillé, hein? Non, moi, c'était l'école. Si vous voulez, moi, j'étais le genre d'élève quand mon père recevait les bulletins scolaires à la maison. Papa, papa, attends, papa, s'il te plaît. Papa, arrête, papa, stop, papa, stop. Attends, pose ça, papa, arrête, stop. Attends. Bah oui, bah recule, alors. Attends, papa, s'il te plaît, parce que si tu regardes bien ici sur le bulletin, entre... Hein? Mais papa, on s'en fout des maths, la prof, c'est une raciste. Bah, tu sais ce qu'elle a dit? Elle a dit, ouais, chez vous, les petits Africains, des fois il fait chaud et tout. Ma parole, elle a dit ça, je te jure, elle a dit ça. Attends, la tête de ma mère, attends, maman, s'il te plaît, attends. Non, papa, s'il te plaît, attends, parce que si tu regardes bien juste à côté, entre, hein, comment elle s'appelle? Madame Sissoko. Mais je te jure, c'est elle qui a dit, mais c'est pas moi qui l'a dit, papa, s'il te plaît, attends. Papa, s'il te plaît, attends, calme-toi, parce que si tu regardes bien, là, juste en dessous, en techno, j'ai eu 17 de moyenne. Et le porte-clés, je te l'ai offert ou pas? Hein? Et là, en musique et en art plastique, mais papa, attends, s'il te plaît. Papa, attends, pose ça, papa, arrête, stop. Pas le grippin. Hein. Je suis déjà assez noir comme ça. C'est de l'eau, hein. Regardez, ouais. Non, c'est de l'eau, vraiment, je bois pas d'alcool. Attention, j'aime pas l'alcool. Non, excusez-moi, je ne tiens pas l'alcool, voilà. Si je bois un verre de vin, je meurs. Ou je finis à poil sur tes genoux. Ce qui en vient même en termes de dignité. Pour le coup, j'ai remarqué, l'alcool, c'est vraiment un truc pour les adultes qui veulent redevenir des enfants. Parce que si tu réfléchis bien, quand t'as bu, tu vomis, tu montres tes fesses, tu te casses la gueule, tu ris pour rien, t'as peur de tout. En gros, t'as 3 ans. Et puis ça rend con, l'alcool. Hein. Autant il y a le côté con marrant. C'est le côté... J'ai bu 3 litres de vodka. Qui sait qu'il y a un briquet que je fasse un prout en feu? Marrant. Et autant il y a le côté con... con. J'ai bu 3 litres de vodka. Qui sait qu'il y a un briquet que je fasse un prout en feu? La frontière est infime, hein. En fait, ça dépend si c'est toi qui bois ou si c'est toi qui regarde, c'est tout. Et moi, justement, à force d'observer mes potes, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs types de bourrés. On peut les classer, hein. Par exemple, t'as l'intello. L'intello, c'est celui qui, lorsqu'il a bu, tu ne sais pas pourquoi, hein, il a envie, comme ça, de faire des débats sociologiques. Moi, je me demande toujours ce qui se passe dans leur tête à ces gars-là. Au bout de combien de verres, le type se dit « Tiens, j'aimerais bien parler bien fort d'un sujet que je maîtrise pas. » Comment? Mariage gay? Oh non, non, non. Ah non, j'étais un tout, mais mariage gay, c'est un fond de problème. Mais c'est un fond de problème. Bien évidemment, mais bien évidemment. Hein, mais regarde-moi. 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 T'es où? Bah arrête de bouger, t'es chiant. Tu fuis le débat, là. Tu fuis le débat. Regarde-moi, moi, je suis marié, moi. Moi, j'ai une femme. Bon, bah, j'aimerais en avoir 4. Bon bah je peux pas, c'est la loi, est-ce que je fais chier tout le monde? Non, parce que moi je vais te dire le vrai problème. Le vrai problème, c'est depuis l'ablation de l'esclavage, les Noirs, ils ont plus de pays. C'est ce qui crée d'ailleurs le conflit israélo-mozambique. Et comme la France veut pas qu'ils viennent, eh ben ils ont inventé le chômage. Alors du coup, ils ferment des usines, ils ferment des magasins. Moi, je vois Shopee vers chez moi, ça a fermé. Bon, que le dimanche, mais c'est un début. Et comme forcément, dans tout ce qui ferme, il y a aussi les salons de coiffure. Et c'est là où les gays vivent. Et ben les gays, ils sont pas contents! Alors du coup, ils veulent se marier pour se reproduire, dominer la planète et forcer tout le monde à danser la Zumba. Il y a aussi la paranoïaque.
La paranoïaque, c'est celle qui, lorsqu'elle a bu, pense que tout est super grave. Hein, putain, Alex, c'est Simon qui s'est enfermé dans les toilettes pendant 30 secondes, on sait pas ce qu'il y a, on sait pas ce qui se passe, on est dans un jus de ribi de plouf, on sait pas ce qu'il fait, je sais pas. Attends deux secondes. Ouais, tu peux me faire sonner, je crois qu'on m'a volé mon portable. Bah, je sais pas, je le cherche partout, je le vois pas, putain. Hein, attends deux secondes, c'est qui lui? On l'a pas invité, lui, c'est qui? Il veut voler mon âme, c'est ça? Pas loin derrière, le vénère. Le vénère, c'est celui qui a l'alcool racaille. C'est celui qui est toujours vénère, celui qui prend tout mal. Celui qui est... Tiens, regarde, regarde. Tiens, regarde, regarde, regarde. Regarde, il me regarde de travers, là. Regarde, 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 regarde. Franchement, il est en train de me chauffer, là. Franchement, ça me plaît pas, là. Franchement, tu sais qui c'est? Ça, c'est ton reflet. Et à contrario, du coup, il y a les rigolos. Tu sais, les joviaux qui répètent toujours la même chose. Alex, j'espère que tu passes une bonne soirée. Parce que s'il y a bien quelque chose qui est important ce soir, c'est que tu me passes une bonne soirée. Avec les copains, on s'est dit là, Alex, on pense que là, il passe une bonne soirée. Et puis il y avait préféré, et ceux-là je les appelle les téléportés. Tu sais, c'est ceux qui sont là physiquement, mais dans leur tête. Voyage, voyage. Tu sais pas où ils sont partis, mais ils sont à fond. Moi, je pense qu'à ce moment-là, dans leur cerveau, tout doit être tellement chaotique que le seul truc qui peut survivre, c'est une musique d'aérobic. Toi, je suis sûr que tu me passes une bonne soirée. Ah, mais je suis d'accord avec toi, Jacqueline. Hein. Ah ouais, ah ouais, ah, la vie est chère, hein, la vie est chère. Hein. Oh là 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 là. Ah, qu'est-ce que c'est cher, hein, man. Oh là 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 là. Puis c'est nous, hein, les fonctionnaires au Conseil Général, hein, c'est nous hein, qui en subissons les premiers des effets pervers. Hein. Ah si, ah si. L'autre jour, on était en pleine canicule. Non, mais pour te dire comment la vie est chère. L'autre jour, on était en pleine canicule. Je me dis, bon, bah Gisèle, tiens, il faisait un peu chaud, tu vois. Bon, bah alors, tu vois, tiens, bon, moi, je suis comme toutes les femmes. Hein, j'adore me faire... je vais chez le glacier, quoi, tu vois. J'aime bien me faire rafraîchir le cornet, moi, quand il fait un peu chaud. Puis... Non, mais... Ah, bon, on se comprend. Et alors? J'arrive chez le glacier, tu vois, puis la fille, elle met deux boules chocolat pistache, 6,60 €. 6,60 €. L'autre, elle me dit, vous voulez une boisson avec? Ben, je dis, bah oui, maintenant qu'on a cassé mon PEL, on peut se venger sur mon code de vie. Qu'est-ce qu'il y a, José? Je suis en train de parler boulot, là, avec Jacqueline. Hein. Donc là, oh, oh, le con, dis donc, il a pensé à mon anniversaire. Oh, j'ai 52 aujourd'hui, je fais plus. Merci, José, merci. Ah, elle a bise, hein. Eh, Gisèle, elle veut la bise, hein. Ah, elle a bise, hein. Ah, c'est mon anniversaire, c'est moi qui commande, hein. Allez, moi, j'en veux 4. Moi, je suis une parigote, je suis une gourmande. Moi. Oh, dis donc, puis je pensais pas. Ah, hein. Oh, mais non, mais on n'est pas copains-copains, tous les deux. Oh, ben je sais toutes les saloperies que tu racontes sur moi au CE. Hein? Oh, la Gisèle, elle pue, elle est négligée, elle a de la moustache. Hein? S'il y en a une qui a de la moustache ici au Conseil Général, c'est Jacqueline. Hein? Bon, alors. Si Jacqueline, t'as de la moustache, si, on en parle après. Si Jacqueline, t'as de la moustache, si, si. Ça fait 5 ans qu'on t'appelle Magnum, c'est pas à cause de la Ferrari. Hein? Il est parti où ce con? Alors attends, je termine, le coup de la vie, le coup de la vie. Et alors, donc je sors et je me dis, tiens, je vais me faire des courses de vêtements. Parce que c'est vrai qu'à 52 balais, ça suffit d'être habillé comme une jeunette. Bon, il y a un moment, il faut prendre ses responsabilités. Donc je sors de chez le glacier, je file chez Pinky. Et... Madame Choupard, vous avez oublié votre catalogue de la Redoute dans la photocopieuse. C'est pas grave, hein, tant que c'est pour le boulot, on y croit tous. Alors... Bouge pas, j'ai un petit mail.
Alors, les petits mails de la direction générale. Si tu veux te faire limer le fion, Gisèle, tape slash. C'est pas la direction générale, ça, hein? Ou alors, il y a un pot de départ qui s'est mal fini, tu vois? Ça, c'est encore Patricia, là, qui veut savoiner toute la boîte, là. Patricia! Vous dites à vous arrêter avec vos conneries de Outlook, de MSN, de QuickTime, de merde! Alors! Gisèle est colère. Hein, vous dites à votre nouvel amant de la maintenance, là, monsieur Pereira Eusebio. Hein, alors bon, c'est un portugais, je ne sais pas s'il connaît Internet. Mais là, il faut lui dire qu'il est en mail groupé. Hein. Ça veut dire que quand il vous répond à vous, il répond à tout le bureau. Hein, bon, voilà. Et ça commence à bien foutre vos cochonnailles, Patricia. Hein, on est au conseil général, ici on n'est pas à 36-15 fions. Il a ses chaleurs, le portugais, qui boit un coup de porto à ma mère et qui monte la clim. Parce que si c'est maman qui descend, là, maintenant, ça, on va la faire dégonfler à coup de pompe à vélo, son kiki, à Garcimore. C'est toujours pareil dans les boîtes. T'es là, t'es bien, t'es tranquille, t'es fait chier personne. Moi, je suis à 3000 points au solitaire. Hein? Je suis à 8 contacts sur MSN, hein? Je suis à 17 heures par semaine, je trime comme une chienne. Et il y a Pereira qui n'a pas trempé sa nouille depuis 15 jours, qui va faire chier tout le bureau. Mais fuck Pereira, fuck! Ah, je dis fuck à qui je veux, Jacqueline. Dessert ta gaine, hein, si t'es pas contente. Fais-les respirer un peu, les varices, hein, écoute. Arrose-les. Merde alors, toujours pareil, tu vois. Ouh, puis moi, Jacqueline, je ferai pas la maline, hein. Je serais toi, avec tout ce qui traîne sur toi dans cette boîte, je me ferais toute petite, hein. Enfin, si je pouvais, avec le cul que t'as. Si t'as un gros cul, Jacqueline, si. Si, quand on peut pas prendre l'ascenseur autrement que de profil, on a un gros cul. Hein? Si toute la graisse que t'avais dans le cul, tu l'avais dans le cerveau, tu serais prix Nobel, hein, ma vieille, hein. Ouh, bah arrête, hein. En parlant d'ascenseur, il y a un nouveau vigile à l'accueil, il est bel homme. Hein, il est bel homme. Hein. Ah, il est bel homme. On dirait Jean-Pierre Raffarin, il est bel homme. Hein, il est bel homme. Ah, il est bel homme. En moins voûté, bien sûr, parce que l'autre, c'est. Mais par contre, on comprend rien ce qu'il dit. Ah, ça, les vigiles, on comprend rien. On comprend rien. L'autre, il parle, il y a que des consonnes, on comprend rien. Merde, alors c'est l'accueil d'une boîte, un vigile. L'autre, il vient des pays de l'Est, là, de la Roumanie, là, de la Caravanie, la Gitanie, je sais pas, moi, c'est pas possible, là. C'est après Moscou, je sais pas d'où il vient de Mulhouse. Quelqu'un connaît? Personne, on sait pas. On sait pas où c'est, Mulhouse. Mulhouse. Et le clébard, il est au taquet. Hein. Oh, l'autre jour, j'ai oublié de mettre mon passe dans la machine. Oh là 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 là, l'autre, il m'a déchiré, hein. Déchiré. La jupe. Non, mais... Hey, il m'a refait... Hey, j'avais plus un poil sur la tabarre passée, hein, Jacqueline. Hey, j'avais mon épilation jusqu'à la fin des vacances, hein, je peux te dire. Ouais, là, on retourne à Clermont-Ferrand, ouais, ouais. Ben, c'est là où on s'est connus avec mon Claude, il y a 18 ans, ouais, ouais. Ah, là, 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 on a fait les voyages, comment, fait sur les sites, là. Les billets, les voyages dégrafés, là, ouais. Paris-Clermont-Ferrand, 4 euros, c'est pas cher, hein? 4 euros, plus 1800 euros de taxes, 1804. Hein. Pas cher, hein? Ah, c'est marrant, ça fait toujours un truc de raconter l'endroit où t'as rencontré ton chéri pour la première fois. Toujours un petit truc au ventre, hein? Et au cul aussi. Ah, mais nous, on avait un petit jeu érotique au début de notre union. Oh, bon, c'est un petit, je te donne le truc. Pour s'exciter un peu mutuellement, mon Claude, il me badigeonnait le corps aux chaussées aux moines. J'allais dans la baignoire, je soulevais le panty, puis il me balançait des sacs de fromage à la gueule. Ah, c'était torride, écoute, on se serait cru dans le Jura. Et quand notre couple... Ah, peut-être je voulais pas en parler. Et quand notre couple a commencé à battre de l'aile, j'ai dit, mais Claude... C'était son petit encas, c'était toujours mon petit encas. Et alors, j'ai dit, mais Claude, pourquoi tu ne me refais plus ton petit encas, là, ton petit jeu érotique? Mais il me dit, mais Gisèle, à ton âge, regarde-toi, avec la gueule que t'as, c'est plus un encas, c'est une raclette.
Alors, messieurs, dames, on va rentrer dans le vif du sujet parce que je sais ce que vous vous dites et c'est normal. Je vous comprends, vous êtes impatient de savoir. Vous vous dites, au fond, Arnaud Ducret, c'est quoi ? Bien, Arnaud Ducret, c'est un petit bonhomme qui a vu le jour le 6 décembre 1978. Un petit bonhomme de 59 cm pour 5 kilos. Un pack d'Evian. Ce petit bonhomme, il a vu le jour à Rouen, la Normandie, la ville de Jeanne d'Arc. Excusez-moi, je vous dis une bêtise, c'est pas tout à fait Rouen, la ville de Jeanne d'Arc, pardonnez-moi. C'est Orléans. Voilà, Rouen, si vous préférez, c'est la ville où vous organisez le pot de départ. Autant vous dire qu'à l'époque, il manquait pas de feu pour le barbecue. Voilà, c'est chez moi, la Normandie. J'adore retourner là-bas parce que je revois mes potes d'enfance. C'est toujours un plaisir de les voir. Ça me rappelle tout ce que j'ai fait quand j'étais gamin. Il y a plein de gens qui m'ont inspiré pour mon spectacle. La première personne qui m'a inspiré pour jouer ce spectacle, pour devenir humoriste, c'est mon prof de karaté. Quand j'étais gamin, j'avais un prof de karaté qui s'appelait Maître Lee. Non, mais vous imaginez, pour un gamin de 12 ans, quand tu vas prendre des cours de karaté avec Maître Lee. C'est incroyable, Maître Lee, t'es là, tu te dis, ouais, c'est Karate Kid le mec, tu vois, Maître Lee, c'est... Enfin, il voulait qu'on l'appelle Maître Lee, mais à la base, il s'appelait Jean-Jacques Pitou. Non, mais il voulait qu'on l'appelle Maître Lee parce que ça faisait plus asiatique, tu vois, plus wasabi, quoi, plus... En tout cas, ce soir, Maître Lee, je souhaitais... Enfin, Jean-Jacques, je souhaitais te rendre hommage. Chut, blessé. Brexepé. Ok, on va attaquer direct le cours. Je vous rappelle. Non, hey, les enfants, levez pas la jambe aussi haut que moi, d'accord? Moi, je peux le faire parce que je suis quelqu'un d'hyper souple, d'accord? Puis que je suis tout petit, on m'a toujours dit, t'es quelqu'un d'hyper laxatif. Ok, on va brexer. C'est pétero. Ok, on va attaquer une première technique de défense. On imagine, d'accord, vous êtes dans la rue, ok les enfants. On imagine, vous êtes dans la rue, vous vous baladez, vous êtes là. Faites les soldes. Là, derrière vous, vous faites agresser par un agresseur de type agressant à forte corpulence. Qu'est-ce que vous faites? Non, Ducret, non, tu cours pas. Hop là, coup de coude dans la mâchoire. Ok, vous lui pétez la mâchoire, le mec il va manger à la paille le restant de sa vie. Ensuite, on écarte les bras. Allez, hop là, coup de genou dans les boules de coco. Le mec il va chanter comme Mika pendant une semaine. Et après vous le terminez, ok? La main sur les cheveux, ok, talon, clavicule, vous la pétez, d'accord? En fait, vous la fêlez, ce qu'on appelle une fellation. Dressé fêté. Brexer. Simbaro. Ok, bon, maintenant, on va faire la même technique sur un maintien de type humain. Ducret, lève-toi. Approche, bonhomme. Fais gaffe, protège-toi, vigilance. Qu'est-ce que je t'ai dit? Le danger gagne partout, d'accord? On se protège. Garde les bases. Bon, allô. Allô. On va faire une simulation, d'accord? Tu vas prendre quelque chose qui m'appartient, d'accord? Déjà, tu vas prendre mon poing dans la gueule. Ok. Hey. Allô. Je tiens à te prévenir. Tu vas sentir des fourmis dans ton visage. La douleur, elle va te sécher d'un coup. Ton cœur va s'arrêter une microseconde. Si tu sens douleur dans le thorax, c'est normal, c'est ta plèvre qui se décolle. Ah, mais tu domines tes émotions, tu souffres dans la dignité, d'accord? Bouge pas, le corps il est mou, bouge pas. Bon, attends, les autres, donnez-le. Tu veux mon portable? Allez, allez. Hop, là le bonhomme il est séché les enfants. D'accord? Maintenant, deuxième technique, celle que je préfère. La technique de la casse, Ducret, lève-toi. Technique de la casse. C'est hyper simple, la technique, Ducret, debout. Technique de la casse.
on se met tout. Oh, du crêpe, debout. Bon, c'est... restez là, les enfants. Bon, là, c'est normal, vous inquiétez pas. Là, le bonhomme, il est tombé dans les pommes. C'est pas grave, je vous rappelle qu'il n'y a pas de danger, les pommes, c'est bon pour la santé. Ok, bon, c'est, tout va bien. Il en, c'est bon, il est en phase de récupération, technique dans la casse. Non, qu'est-ce qu'il y a? Il tremble? Non, mais c'est normal, vous inquiétez pas. C'est les muscles, il récupère. Ah, il bave. De quoi il bave? Ok, non, mais c'est normal, il bave. C'est normal, vous inquiétez pas. C'est, il se réhydrate, mais de l'intérieur. Bon, vous arrêtez de le regarder, bordel. Eh. Hey. Là, il fait le comédien, le bonhomme. Ah, du coup, tu vas être comique, tu vas monter sur les planches. Tu vas être comédien. Ça. Tiens, ça y est, il va mieux. Allez, lève-toi, ça y est, ça va mieux. T'es content? C'est bien, bonhomme. Eh, tiens, regarde, t'as eu ton premier rôle, monsieur Patate, ramasse ton nez. Merci. Sintarapa. Prezzo. Ok. Arrête de chialer, Ducret. Technique dans la casse. C'est hyper simple. En fait, on pète tout ce qu'on peut péter. D'accord? Le danger vient de partout. Une voiture, un vélo, un parpaing, ok, on pète. Arnaud, au lieu de chialer. S'il part, tu le prends direct ici, je te le dis franchement. Arrête de faire chialer, fais pas ta fiotte. Ducret, tu vas me chercher la planche qui est là-bas, s'il te plaît. Les enfants, c'est une planche en bois bandé de Bali de 14 cm d'épaisseur. Je vais briser cette planche à l'aide de mon poing, mais surtout de ma pensée. Non, Ducret, oh, toi tu tiens la planche. Je la tiens dès demain? Non, dès aujourd'hui. Ça a rien, demain, y a pas quoi. C'est pas ta peau. Ok. Yes! Ok, Ducret, bouge pas. Bresser. Rinsapa. Sintaracha. Frepsero. Fritzu. Singa, 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 alleluia, singa. Ice, 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 ice. Bresser. Woo. Bene. Simpoto. Woo. Je me suis pété la main. Oh putain, comment j'ai mal. Oh. Attends, viens là, du crêpe, viens là, j'ai les jambes qui flageolées là, je vais tomber, viens là. Bon, on va directement attaquer les katas, direct. Ah, on va, ah, qu'est-ce qu'il y a, Ducret, de quoi? Souffrir dans la dignité? Eh, mon pote, c'est le ciel encore bon, tu vas la prendre en pleine. Oh! Je me suis fait lationner la main!